Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 20 de Baldur's Gate 3 en bonne et merveilleuse compagnie de Arda, Atemir et Weirdmake. Salut! Salut! On dit coucou, voilà, c'est tout. Et maintenant, on casse de la gueule à des noirs, des... C'est quoi? C'est des nains noirs? Des nains du chaos? Des trucs comme ça? Des duergars. Ouais, c'est des nains, mais des ténèbres, quoi. Ah, on l'a dit finalement. Attendez, il y avait une bestiole à laquelle Kator se pouvait parler plus haut. Ah oui, il y avait les meumeux. Du Ouais, coup, on mais on commence par va les da... meumeux? Mais on... si on va vers les meumeux, on continue par là, donc on va oublier les nains derrière, quoi. Ah bon, non, mais c'est parce que j'ai peur que. Moi Qu'elle je. s'enfuit ou quoi si on Ah reste. oui, c'est une bonne idée. Pour une fois que je réfléchis un peu. Bon. D'abord de la diplomatie, ensuite de la violence. Est-ce que j'ai bien mon truc qui est activé? Oui, c'est bon. Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Ketherick Thorm. The name means little to you, yet your heart pulses to its rhythm. Thorm. Thorm. Mighty elf, cloaked in darkness. 10 masters ago, and 10 more. But I remember. There was the work, and the blood. There was the Thorm's army. There was the Hellbeast that broke them. The Ketherick Thorm's name faded into stone, until the Nier came. Intéressant. Ah oh ouais, moi je veux savoir quel âge il a le. I outlived my mother and her mother's mother and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. I saw tusks and flesh, smelled fire. And eggs. It came with the masked men, crashing and smashing. I know not, so I say not. Yet I hear his name again, said by the shadows. Bon, bah, merci le steak. Maintenant, on peut le buter. On va faire attention, j'ai l'impression qu'il y a un nain qui est dans notre dos, qui est remonté en haut. Bah, il y en a plein par là, il y en a plein là. Ouais, on n'est pas allé là-haut d'ailleurs, il y a peut-être des trucs à faire avant, peut-être des gens à causer, non? Peut-être. Ou bah, où on les bute. Attends, attends un peu, il y a Myrtis là qui est en train de revenir. Bah, c'est ça, moi je voudrais juste aller voir là-haut et aller voir avant de. On se lance pas à corps et âme. Ah, c'est parce qu'il a peur du. Il a peur du zombie, je pense, le Myrtis. Ah, c'est ça qu'ils ont peur. Alors essaie de ne pas l'envoyer vers le haut parce que moi j'ai un avantage quand je suis en haut. Là ils sont pleins, hein. On va te faire chier mais là ils sont vraiment beaucoup. Hein. Où ça là? Bah là où je suis là, il y en a. Enfin, ça serait... faudrait faire gaffe à pas lancer le combat avec ces gens là quoi. C'est bah ça va d'aller, ça va aller. Bah il y a un autre marchand d'ailleurs. Ah on les fait petit bout par marchand. Petit bout, puis ça va passer. Deux, attends, je Ah non. Faut juste aboutir l'autre marchand, on peut voir si Ah, un coffre. Ah, j'ai cliqué pour m'éloigner du gars et j'ai trouvé une zone. Ruine de Ménestrel. Il doit y avoir une cache tout près d'ici. Comment tu vois cette rune de Ménestrel? Mauvaise idée. Et... Oh!
Un mimique. Un mimique. I love it. Notre premier mimique. Oh, il est terrible, j'adore. Je l'aime beaucoup. Ils étaient pas tout seuls d'ailleurs. Mais je l'aime beaucoup, c'est mon premier mimique. Alors. Est-ce que je peux le hit? Pas beaucoup. Alors le mimique, examinons-le. Résistance à l'acide. Et sa voix dans le noir. Donc il y a quand même un truc à... Il doit y avoir un truc à fouiller quelque part alors du coup. Bah je pense que c'est eux déjà, ils devraient nous filer des trucs quand ils vont crever. Non Oh, c'est mignon comment ça se déplace. Ah ouais. C'est choupinou. Ball lightning. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, 32 ouais. Dégâts pour chaque, ouais, ça déconne pas. Ah ouais mais parce que t'as utilisé ton truc là. Bah ouais, bah j'avais dit. Bon bah par contre vous approchez pas de cette zone parce que ça va continuer à tomber. D'accord, bah comment je vais faire pour éloigner Pet du coup? Ah il est pas mort? Ah non. Là où il était je l'ai pas touché donc Donc si je me recule... Si il vient là, il va s'en prendre plein la gueule. Si je recule le zonzon normalement... Ici ça devrait... Je sais pas, de toute façon là le prochain coup il risque d'être mort le mimique donc Mais il a pas pris sa réaction. Oh. Après je sais pas si Call Lightning je peux pas choisir où est-ce que ça retombe. Je vais voir. Parce que normalement j'ai bougé les zombies, il a utilisé sa réaction, donc si je m'en vais, il a plus de réaction. À moins qu'il l'ait pas utilisé sur le zombie. On teste. C'est bon, il n'y a pas de réaction. Facile. Ouais, je peux choisir où je l'envoie le collègue. Ok, Katox, t'as des gants là sur toi, là, tu ferais bien plus. J'ai regardé ça. Je vais te les envoyer, c'était sur le mixture. Ah, j'ai loupé de la perception. Watch how you go. Des amorçages. C'est quoi les gants? Trouver ta cache de ménestrel. C'est que je dois. Ouh. Ah le coffre peut-être. Alors attendez. Tiens. Attendez, je passe en stuff. C'est vraiment gigantesque cette zone. Ouais, moi j'adore la. Ça, tu vois, je regarde un peu dans le vide là, t'enlèves le truc et j'en fais un fond d'écran. Juste animé par les petites flamèches là, c'est juste trop beau, c'est magnifique. C'est vrai que t'enlèves lui. Ouais, tu gardes juste les petites... Oh, ce serait terrible. Là, je trouve ah que non, Tiquette. Le t'as raté un test de désamorçage de piège. Attends, je me casse. Bah, ah voilà, 34, c'est mieux. Maintenant il faut le... 22, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un bouquin de Arda et 42 pièces d'or. Donc Arda... C'est quoi le titre du bouquin? Je sais pas, je ne sais rien, je n'ai pas lu, c'est un livre, j'ai pas envie de me faire... Pillé, là. Parchemin de preuve, tube conçu pour protéger son contenu contre les intempéries et les ravages du temps.
c'est un truc de... Essaie de me l'envoyer voir un peu si c'est pas un... Le grand ménestrel attend votre réponse dans les meilleurs délais. C'est un truc de ménestrel, ça. Allez, Katox. Ouais, ils étaient pas mal ces gants là, je t'ai fait que... Ouais, ils sont cool, c'est... parce qu'en plus, bon là j'ai cramé pas mal d'inspiration de barbe, mais plus j'ai d'inspiration de barbe, plus j'ai d'AC quoi. Mais non. Si si. Et non. Lis le truc. Ça te donne un de classe d'armure, et ensuite c'est... Si t'es un personnage qui peut avoir des inspirations bardiques, c'est juste ça te donnera une inspiration bardique en plus. Ah bah, tout bénef alors. Double bénef. Mais je l'ai vu en travers vu que j'étais occupé par le coffre. T'imagines si t'étais un d'armure par inspiration bardique que t'avais, c'est trop fou. Bah je me ferais 4 d'armure. C'est fumé, des gants qui te donnent 5 d'armure. Bon bah c'était une chouette zone pour un misclic. Ah bah clairement. Tout à fait. C'était parce que c'était réellement un misclic. Bon, on se fait du nain au petit déjeuner. Du nain, du ergar. Agar, mélange pas. Moi j'ai peur qu'on entre en combat avec les autres quand même. Bah, t'es rassuré. Peut-être que ce qu'on fait, c'est qu'on attend qu'il soit suffisamment éloigné des. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un œil scrutateur. Après, elle, on peut pas attendre que je... elle. Genre, elle, quand elle est par là, on la marre. Coucou. Hop là, lui, il est invisible. Et il bouge pas le. Bon, on attaque. Je pense que ouais, le zomblard fait peur à la. Moi, j'attaque quand vous voulez. Je vois pas pourquoi. Il a une belle tête, le zombie. Ah, vous voulez marrap le. Bah, c'est parce que vous êtes tous les deux. J'ai l'impression qu'ils veulent tuer tout le monde. Donc moi. C'est des mauvaises personnes. Il faut les. Vérifier. Mon invisibilité, elle se fait. Bah, en même temps, t'as un œil scrutateur qui détecte l'invisibilité. Il était juste là. Alors on avance alors. Mais on avance par où? Est-ce qu'on avance vers les meumeux? Bah autant avancer par là. Là. Et les meumeux, on a même pas. À l'est là. À l'est, bah, il y a full truc, il y a 10 milliards de gens, il y a un mec. On peut juste clôturer l'espace des meumeux, ça a pas l'air d'aller super loin, si. Allez voir. Allez vite, allez voir. Oui. Je comprends pas que vous soyez pas motivé pour tuer des méchants. Mais je sais pas, ils sont dégonflés là, y'a un truc. C'est pas dans leur état naturel ça, de se dégonfler pour si peu. Y'a personne, une armure moyenne. Quand vous êtes dans le. Vous êtes en fufu, vous gagnez un des 4 de dégâts nécrotiques. Ah, on voit toujours. On voit toujours. Et un bouquin pour Arda. Ça me fait déjà une classe d'armure de plus, déjà cool. Ah mais c'est pas. Ah oui, mais moi je fais du léger, pas de l'intermédiaire. Dommage parce qu'elle avait, elle avait l'air. Elle avait l'air sympa le skin. Aider le moine maudit. Y'a un coffre en bois verrouillé ici. Je sais pas. Aider le moine maudit, j'ai entendu. Oui. Oui. Attends, c'est quoi? Il y a une zone là, il y a des coffres un peu partout par ici. Alors, on a lu le journal d'un justiciaire noir. Il a mentionné une amulette d'un grand pouvoir qui fait aussi rire la personne. Il a été balancé là. Ah, merde! Pour toi, c'est dingue que l'œil scrutateur soit toujours à nous suivre. Qu'est-ce qu'il a? Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il est? Si on se met dans le dos, si on se met dans le dos de l'œil scrutateur. Là il me regarde si quelqu'un lui marrape la gueule maintenant là dans le dos. Non il a un 360. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Bah on lui pète la gueule. Attends, t'as dit quoi? Ça c'est pour qui? De quoi parlais-tu? La quête du tueur. Ah.
Il y a un bouquin sur la table. Ouais. Mais pourquoi il me suit là? Franchement, je le marre avant l'œil. Il y a un coffre qui est scellé là où je suis. Bon, il est piégé. On le défonce. Et où t'es là, j'arrive. Bon, en même temps, il a 8 PV, donc tu peux le. Garde avant. Tu pouvais juste descendre calmement. Allo? Allo? Qui est avec Ward? Je suis pas là, moi. Non, non, il y a Radek. Eh oh! C'est bon, je l'ai pété. Hein. C'est là que tous les nains sont d'office. On va faire une armée de 80 nains sur nous. Eh merde. Je savais que j'aurais dû prendre boule de feu. Alors, il y avait quoi dans ce coffre? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a des pièces d'or et un bouclier, mais je pense pas que ça t'intéresse, mais une mire que l'envoie. Je pense pas qu'il te plaira. De toute façon, moi je vois l'arme. C'est un zombie qui te suit pas. Oui. Ah, ouais, c'est un zombie là, il est pas. Comme je suis pas. Et l'excuse pour que ce soit plus moi qui le porte. Bon bah s'il est planté. Tu veux le bou... Attends, je t'envoie un shield, Galax. Parce que c'est Katox hein, qui porte des boucliers. Ouais, c'est vrai que c'est moi qui ai les shields, c'est quoi alors? Ça fait quoi? Aura de foudre. Ça me donne aura de foudre. Ça me donne pas aura de foudre. Note pour plus tard. Consomme 3 charges de foudre, ouais mais je veux pas les charges de foudre moi. Note pour plus tard, si vous cherchez le raccourci pour les quêtes et que vous vous trompez et que vous appuyez sur Y, bah ça fait un short rest. Oui, oui, je croyais voilà. Que ça avait été fait exprès, j'étais à bon, bah, très bien, si vous voulez. Bah non, je cherche le raccourci pour les quêtes, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est oui, je l'ai changé moi voilà. Aussi, hein, le raccourci du short rest, parce que le nombre de fois où j'en ai claqué inutilement, bon. Bah voilà, c'était impossible, tant pis, c'est trop tard. Mais... Ah, il y a encore des vavaches, je vais pouvoir leur parler, pendant que vous faites les coffres. Il y a des bergers aussi. Grab a cane, that rubble needs clearing. My patience is hanging on by an arse. Elle a été lancée dans la lave, son amulette. Damn right I do. Getting cramps in my arm, trying to whip the Drugnin beasts back to work. Now get to the Canaan, before I thrash you instead. You got no need to know, and I got no need to tell. So get to Canaan, or to leave him. Allez. Ça va pas passer. Ça passe. Oh, ça passe. Allez. Fine. Look at this. Adamantine. Stuff's no joke. Stronger than steel, rarer than mithril. It ain't mined. It's made. There's an adamantine forge back there, sure as shitting. Don't get any smart ideas. That forge is clan property. But get the beasts moving and I'll toss some coin your way. Ah, peut-être que tu peux parler aux animaux. Pour essayer de voir s'ils veulent bien avancer le truc. Ouais, ou nous aider à tuer les nains. Bah, dans les deux cas, on y gagne quoi. Donc. Mais ce serait bien de réussir à ouvrir le truc pour pouvoir passer derrière, je pense. Des explosifs, hein, si jamais. Ouais, au pire. Du coup, qu'est-ce qui nous dit à nos petites bébêtes? Il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce qui t'a mis dans un appareil? Ben l'autre qui arrête pas de les tabasser. J'aime bien le dernier. Ouais. Laisse éclater ta colère et venge-toi. Vous pouvez vous placer pour un petit combat si ça vous dit. Alors attends, je vais sortir de là. Je vais essayer de me placer en hauteur. Il risque de donner un gros coup de corne, hein, donc à mon avis. Attends, là je me mets en invisibilité. Là je vais essayer d'en pousser un vers toi. Si tu peux éviter de te mettre au milieu. En hauteur.
Je vais essayer d'en pousser un et de balancer. Comme ça, on pourra balancer un, une zone sur les trois là. C'est bon, je suis prêt. Bah, quand tu veux. On va pas le looter si on le balance. Non, mais en gros, je vais balancer celui qui est là où je suis. Si je le. Allez, réussite critique. Si je le bouge, il y a plus moyen. Tu vois, il sera avant celui-ci. Est-ce que j'arrive à... Oh yes! Tiens, un cadeau, voilà. Donc, je vais peut-être faire une arme spirituelle. Je vais attendre le, la fin des tours pour voir qui je peux vite fait terminer. Il y en a un qui a plus de PV. Bah ouais, mais je sais pas si Ardal aura. Moi j'ai déjà passé mon tour. Bon bah je vais tester ça. Et Pell a raté son attaque dans le dos en étant invisible. Super. Ah, merci. Critique. Yeet. Bon, bah, ça, c'était sûr. On a quand même le point d'XP. On a quand même l'XP. Oh la double esquive, mais c'est vraiment, mais il est putain, le gars, il est. Non, non, non! Oh là là, j'ai 18 ans en force, 12 ans en dex, 14 ans en constit. 17 d'acier, ouais, il est pas mal tranquille. C'est juste qu'on est nul. Ignis. Je l'ai raté. Non, mais il a lancé un sort, c'est sûr. C'est fou, il veut pas te taper, un weird mec, hein. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je me dis. Enfin. Toi, tu l'as encore senti ou pas? Bah, allez. Non, je dirais, mais. Wouah, y'a tellement de trucs. Grey One's gone. Good. We'll stay here until it's safe to leave. Rends-moi service et des blessés graves, veux-tu? For killing Grey Ones. Yes, I will do this. Allez. Demandez gentiment. Oh, c'est bon, on peut le dire. Yay! Merci les enfants. Ouch, de l'autre côté. C'est juste demander gentiment. Bah, là aussi, il y a aussi de la. Y a aussi de la là aussi, il y avait de la diamantine. I'll take that. Curious mask. What's it doing here? J'ai gagné un masque. Quoi comme masque? Je sais pas où il s'est mis. Mais ils viennent de le dire que. Mérégon, un fantassin des enfers. Non, mais ça, je suis d'accord, mais j'arrive pas à le trouver dans mon inventaire, le masque en question. Avec une tête de bébé, doré. Quoi? Quoi? Qui ça ressemble à une tête de bébé, doré, tu verras. Moi, je trouve que ça ressemble à une tête de bébé. Une tête de bébé. Bah non. Devil Foil masque. Ah, c'est moi qui l'ai pris, en fait. Ah! Le sang qui m'accueille ce masque jure avec la sérénité de son expression. Un visage doté d'un sourire innocent et de grands yeux inquisiteurs, semblant chercher les siens. Nobody expect the Spanish Inquisition. Un bâtonnet dansant et une lançant encore. Bâtonnet qui danse. J'en veux un. What's in here? Alors, qu'allons-nous trouver ici? Est-ce que c'est ça? Là, il y a un truc là. Ah, c'est j'ai raté de la perception. Il y a une orbe de dark de vision de la nuit là. Vas-y, c'est 100% pour toi ce truc. Allez, ah, je l'ai loupé aussi. Oh, les pièges. Ah, j'arrive.
Il y a une mine là, juste sur le bord du pont, faites bien gaffe. Ouais, ça m'a rien fait, l'orbe de vision dans le noir. Il y en a une deuxième. Non mais c'est bon, normalement j'ai désarmé. Hey, Bardad, avec les gars à côté. J'ai désarmé la gargouille, normalement y'a pas de raison. Non mais là c'était des pièges de l'autre côté. Bah je peux y aller, oui, moi de l'autre côté. Tu peux y aller. Fais gaffe, y'a un deuxième piège, avance pas trop. C'est qui a mis une pause là? Tout va bien. Je fais quoi alors? Je saute de l'autre côté ou on attend que... Bon, essaye toujours ou peut-être un truc. Non, je peux moi. Bah mais vas-y. J'essaie de voir si je peux te rejoindre. Moi je crois que je suis juste... Ouais non, toi t'as 21, c'est ça? Il faut un peu plus que 21 à mon avis. En fait, t'es pas une potion de triple saut ou un truc dans le genre? Ah bah je suis con, je vole. J'ai appris le sort. On peut quitter le tour par tour ou... Ah ouais, je sais pas pourquoi on est en tour par tour d'ailleurs. Moi non plus. Bah c'est pas moi qui l'ai déclenché. Non plus. Je vole. Peut-être parce que justement t'as... Et il y avait des mines pile là où t'as sauté, c'est sympa. Non, ah non... Ah si si si. Pas sauté là. Ah. Bah, par contre je l'ai esquivé, je suis passé juste à côté. On va y aller tout doucement. Steady. Bah c'est que ça, laisse-moi y aller devant parce que tu vois, perception. Ah, on est au-dessus de... Bon, je vois rien, par contre ce que je vais faire c'est vite faire demi-tour. Ah non, mais il y a un truc par là-bas. Ah bah tiens Arda, tu peux marcher, tu peux monter sur le truc si tu veux et je t'envoie de l'autre côté. Bah tu nous rejoins en fait. Putain, par contre c'est des squelettes partout, ils devraient nettoyer un petit peu quoi. Salut. Here we go. Come all who are weary. Porte en fer à double battant. Ah ouais, les locks. Moi je peux pas venir. T'as pas une main de mage Ouais, mais sinon il saute de l'autre t'as côté. T'as des leviers à côté. T'as des leviers juste à côté. Non mais t'es gentil, il faut bien que je clique sur le levier pour pouvoir venir. Toi tu peux pas sauter comme Weirdmet qu'en passant par la plateforme supérieure là? Non. Non, on est vraiment au-dessus de tout. Attends. Moi je pense que je peux cliquer sur le... C'est bon le truc en dessous de la plateforme là, ça ressemble à un espèce de tombeau. Tu vois, t'as la plateforme au centre là, tu vois. Attends. Voilà. Ah. Mais. It's working. J'ai un moule pour faire une épée longue dans la forge. Si jamais. Tu restes là toi? Je sais pas, je voudrais aller voir c'est quoi au bout là-bas là. Donc, bah, je crois qu'on avance rapide. Tellement loin, vaut mieux faire la porte là sur le côté. Ok, j'arrive, oui, effectivement ça va très loin. Si je peux avoir un petit guidance, je suis pas. J'ai foi en toi, voilà, c'est tout ce que je peux faire. J'ai lancé le truc, mais non, bon, après, fallait faire 12. Oula! Il y a des bruits. Ici, il y a le barde en arrière-plomb qui pète un câble. Il y a des bruits d'araignée. Ah, mais on était là tout à l'heure, on était pas loin. Quoi? Oui, t'arrêtes. Bah, on est juste au-dessus. Ouais. On est juste au-dessus. Ah, ouais. Cantique de la sombre maîtresse. Que l'ombre s'abatte sur la lumière et le silence recouvre la bruyère, que les ténèbres dans les cœurs s'insinuent et que devant la dame tous se mettent à nu. J'aime bien celui-là. Gloire. Enfin bref, voilà. Encore des tarés. Saleté de cultiste. Ouais, ah, j'ai trouvé une clé. Hop là. J'ai trouvé une clé aussi. Et une lettre non remise à son destinataire. Alors, qu'est-ce que ça nous vaut cette lettre ?
on a des trucs, c'est fou. Ah, une porte là-bas. Ah, les cadavres en l'air, c'est le dans un cadavre en l'air, moi que j'ai trouvé une clé. Au sommet d'un surplomb rocheux, j'ai mené l'enquête à ce sujet, mais son coffre s'avère être piégé. Toute tentative de l'ouvrir risquerait de détruire son contenu. Fight! Fight, fight, fight! Fight contre quoi? J'ai pas, ils ont gardé sur la porte et légionnaire. La clé que tu avais, ça nous a mis en combat. Ah, je suis en combat aussi. Bah, c'est pas grave. Attends, si je mets ça. Ah, ouais, non. Attends, je vais essayer de claquer ça là. Ah, ma caméra bug, merveilleux. Attends, tu vas sauter où toi? Qui ça? Bah, je sais pas, à vous, parce que moi j'allais mettre une nuée de dague. Sur les trois derrière? Sur les deux derrière. Bah, tu veux pas le coffre. Mettre l'entrée plutôt? Bah, le truc c'est que. Ils vont pas, vu comme vous sautez dedans. Précisément là, je vais lancer mon sort. Pour l'instant, je balance juste une AOE dessus, on verra après. Non, on se fait d'accord, c'est là que ça tue la mer. Bah, je peux la mettre. C'est que ça, tu la mets à l'entrée ici là. Ouais. Et nous, on balance des trucs. Ah, grave, grave, bah, moi je reste là. Hein. On bloque la porte avec. Avec. Mm-hmm. Ils pourront pas passer hein, si on se met là. Voilà. Péter leurs chevilles, blesse, blesse. Sangliers infernaux et un légionnaire Mérégon. Ah, t'as pas assez d'action là. Comment? Ah, j'ai bien aimé l'élixir que t'as pris qui te rajoute une action en plus si tu butes des gens. Je sais pas, j'avais ça qui traînait, je t'avoue, c'est fait, voilà, c'est traîné. Le sanglier infernal, il a pas été très malin, il est venu se jeter dans les dagues. C'est le principe. En même temps, c'est un sanglier, hein. C'est pas non plus un prix Nobel. Hein. Il vivait chez les sangliers. Qu'est-ce qu'il raconte? J'aime bien chercher un petit truc à voir aussi. Oh, let's go, j'ai colère. Oh, il s'arrêtait juste devant quoi. Nice. Qu'est-ce qu'il a fait ce con de sanglier? Bah, il a pris l'idée. Il a tué son pote! Il a tué son pote, parfait. Ça me fume. Ah, mais y'a Jackie là, y'a Jackie Joe, je le reconnais. Tiens, Jackie Joe. Voilà. Sur le bolos de l'autre côté, hé, hey, tu nous en as. Alors, c'est quoi ça? Oh, il a 5 PV le machin. Je pense que je n'ai pas de ligne de mire pour pouvoir l'attaquer, malheureusement. Ouais. Je vais passer mon tour. Voilà, un gros Goliot, un de plus. T'as le mob? Ouais. En même temps, ça reste des IA, hein. C'est pas non plus. Bah, tous les IA, c'est. On va aller vite tourner en rond, hein. Si jamais ils sortaient pas. Ah bah. Il serait resté derrière son truc là. Ah yes. Ah, et quoi dans ce une petite arbalète de points qui pourrait te plaire, Ketos. Ah. J'ai trouvé un élixir pour des spells level 1, donc Tirada. T'as trouvé quoi? Je t'ai envoyé un élixir pour gagner un spell slot de level 1 en plus, si jamais. Sweet! Où est-ce qu'il est caché? Je te l'ai envoyé dans ton inventaire. Ça marche. La clé rouillée, vous l'avez pas prise? Bon bah voilà. C'était sympa. Pourquoi j'ai un truc dans le coin là? Ah non, la réserve de poudre. Ok, d'accord. Ah oui, on est dessus. Alors, moi, du coup, j'ai trouvé un pare-choc qui m'a permis d'apprendre un nouveau sort. Je suis très content. Et qu'est-ce que c'était que ce sort? C'était la forme gazeuse. Ah oui.
Bah c'est ça te permet de rentrer, de passer par toutes les petites aspérités, d'être Ouais. virtuellement intuable au combat. Par contre, tu peux pas attaquer. Et du coup, vous avez looté tout ce qu'il y avait à looter dans la... Oui, je pense que oui. L'impression. Ouais. Ah, vous êtes déjà parti loin. Vous êtes déjà parti loin. Ah, le truc, c'est que avec cette forme-là, j'ai l'impression que c'est toi, donc je suis à tes mires. On a deux choix, soit on monte sur la petite plateforme et on suit toute la plateforme là. J'ai vu un coffre, je vais au coffre. Soit on va par Y'a un le coffre. côté et on Y'a un coffre. rejoint. Ouais, il y a deux endroits. Après, tu peux aller par là, je vais sur la plateforme, je vais voir un peu ce que ça donne. Je mets quand même mon fufu au cas où. On verra ce qu'il y a dans le coffre. C'est des flèches. Super. Cool, c'est pour moi. Tu t'en sers un peu ou pas du tout? Ah oui, je m'en sers. Bon, je t'envoie une des deux flèches parce que l'autre elle bug bien, ça permet de se TP là où tu tires. Ah, j'en ai déjà une. Ouais, je t'envoie une autre flèche qui permet de shooter plusieurs cibles en même temps. Il y a une sauvegarde. Bah, vu là où j'arrive, ça m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens là d'un coup. C'est ce que je disais tout à l'heure, à cet endroit-là, il y a un marchand à droite. Si vous vous bougez pas les fesses, je vous épluche les burnes comme des patates. Ça c'est du regard. Il y a deux leviers là-dessus. Oui, je viens Là, de moi les aussi, là, j'ai voir, deux juste à leviers là. côté d'un squelette. Bon, un peu ce que ça donne. Alors, moule de cimeter, épée courte. Ok, il y a quelqu'un qui a tout pris avant que je puisse regarder. On se demande qui c'est. J'ai pris le boule parce que je sais que c'est lourd, mais le reste, je t'ai laissé le temps de... Ok, si tu fais l'autre. Parce que j'ai pas envie d'apparaître devant tout le monde en mode coucou. Ah ouais, donc je peux aller me mettre de l'autre côté pour avancer en fait. D'accord. Et la forge, c'est quoi? C'est le truc qui est en dessous de nous là? Je sais pas. Non, ce serait pas un truc comme ça. Tous les nains Il y a ils sont un autre censés la moule chercher. là-bas. Attends, je peux sauter sur la plateforme. J'ai failli sauter dessus. Et ça me mettait mort. Ah, elle est là-bas, la forge. Voilà. Je t'emmène au loin. Ouais. Tu peux y aller tout seul, mec? Ouais, je vais voir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que je te redescends? Ouais, ça m'évitera de perdre 2 PV. Et la forge en fait, c'est quoi? C'est on peut crafter des objets avec? Aucune idée. Ah, c'est encore récupéré des moules y a un tout à l'heure. truc là-bas, c'est quoi? Là, là. Armure animée, bon. On arrive sur un endroit où personne n'a été depuis longtemps, vu qu'il y a encore des mobs. Comment ça, tu vois des armures animées? Moi, je vois rien. Bah, c'est parce que moi je les vois. Il y a un Ah. ancien symbole. Est-ce que si je l'active pour moi, est-ce que ça l'active pour vous, du coup? Bah, on peut voir, ça y est. Y a moyen de. Si je fais ça en fufu. Je suis la nuit! Point de passage Ouais. découvert. Ouais, on peut se TP, ouais. Oh, comment on les a bypass? Bon, on les tuera en revenant, mais. Y a un moule de masse, y a les squelettes. Y a un moule à masse. Ah, stylé, y a des masques de Justicar là. Ah, les fameux masques comme on avait là. Tiens, Arda, je t'ai envoyé un bouquin. Ça donne quoi les masques de Justicar? Oh. Y a un Ça, c'est moule là pour sûr. Mimir. Oh! Mais le masque du tribun de la nuit, c'est totalement pour moi, pour avoir intimidation plus 1. Je crois que c'est plus intimidation plus 1. Je t'envoie une note gribouillée, Hard. Ah! J'ai encore récupéré une armure Trouver de justice, d'autres sources de mitral, les filons proches sont presque tous vides. Certains acolytes ont commencé à l'appeler Grim, c'est ça. commandable de frère Simov qui préférait Tu donner un prends pas coup. le tribun de la nuit? Bon, je prends ça pour un nom. T'as dit quoi? Allô? T'as dit quoi? C'est tellement beau. À qui tu poses la question? Qui? Bah toi. Quoi? Non, moi je demandais s'il prenait le tribun de la nuit ou pas. Il m'a pas répondu, du coup je l'ai pris. Mais à qui tu parlais?
Bah toi, c'est toi qui as le tribun de la nuit. Mais je sais même pas ce que c'est. Bah je l'ai pris, donc tu sauras pas ce que c'est. Et c'est Dark Justicia. C'est des ah oui, c'est vrai. Qu'on récupère, là, ah depuis, oui, j'en ai rien à foutre de ce truc, j'aime beaucoup mieux, j'ai un truc ça me donne 9 dentelles. Je t'avoue que 9 dentelles, c'est pas si mal quoi. C'est beau. Moi c'est plus ça en intimidation, ça me fait combien d'intimidation d'ailleurs? Juste pour déconner. Attends, où est-ce qu'on va ça? Ah, vous avez récupéré le moule. Ah ouais, par contre, vous avez filé tous les moules, moi les moules... Waouh. Ça pèse un point. Je sais que t'aimes ça les moules. Alors, pas celle-là, mais... Enfin, pas ceux-là plutôt. C'est quoi... L'avant-dernier que t'as de la ligne où il y a tous les moules, là. Alors j'ai cimetière dans l'avant-dernier. Mace ou splint mould. C'est quoi splint? C'est les armures. Ah, je crois qu'on l'a trouvé la forge d'adamantium. Hein. Bah ouais, c'est ça, un moule de... peut-être. Ça ressemble à ça? Ah non, là en bas, oui. Oui, voilà. ça ressemble à quelque chose qui ressemble à l'adamantium juste en bas là. Tiens, bah je suis en combat moi. Yes, allez, let's go. Là, quand je t'avais dit. Merde. Parce que je vois pas les mobs en fait. Ils sont surélevés par rapport à toi. Ouais. Ah, mais non, ils sont planqués derrière un mur. Ouais, c'est pas, on a passé l'âge. Hein. Sur les gars, oh. Bon, je vais leur dire quoi. Salut! Tu voulais pas les laisser descendre pour qu'on puisse les attaquer alors qu'ils sont planqués derrière un truc où on peut pas faire d'attaque à distance? Il va encore se faire prendre des patates. Putain, trop tard, c'est ça. Mais il y en a un qui est planqué derrière un mur. Hein, Et après, il s'étonne qu'il se prenne toutes les tartes dans la gueule. Une 7-18. Hein. 7-18, ah bah oui, ouais. Résistance psychique, résistance au poison. Susceptible à l'anti-magie. Oh, il aurait fallu garder une fleur de machin truc là. Tu te rapproches d'eux avec la fleur de machin truc et ils sont morts. Ça les aurait stun, ça. Ah, il y en a un qui est un peu plus bas. Attends, c'est quoi ça pour Duke Ward? Ils sont classe quand même. Ça c'est. Oui, tu peux envoyer ça, payer sur les gens. Hein? Mais pourquoi ils me tirent sur moi alors que toi t'es là tout du coup? Parce que je suis caché. Mais t'es pas caché. Mais si, je suis caché derrière ses copains, il me voit pas. Hey. Oula. Ah bah tiens, il y en a un qui est venu à domicile, ça, c'est sympa. Et bah lui, il m'a loupé. Ouais, alors vu le bruit que ça fait, je pense qu'il vaut mieux qu'il te loupe. Clairement. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça pourrait mal se mettre pour ta gueule. Ah, attends. Je sais pas si je le tape. Attendez. Attends, steady. C'est exactement ça. Voilà. Ça va être très bien ce truc. J'ai trouvé un nouveau jouet. Non, par contre, les critiques, au bout d'un moment, faut peut-être arrêter. Hein. C'était quoi ton truc? De quoi son truc à lui, c'est Esprit Gardien. Non, mais à toi, t'as dit que t'as trouvé un nouveau jouet. Bah, j'ai tué un mec, ça m'a donné une action bonus, des points de vie temporaires. Ah oui. Mais oui, ça s'est très bien passé. Ah, par contre, j'ai cramé tous mes spell slots level 3, j'avais pas pensé à ça. Tiens, Arda, j'ai trouvé un pare-chaud pour toi, il a l'air bien. Ah. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, ramasser les moules, c'est gentil, mais les foutre et m'encombrer, moins. Moi j'ai commencé à les garder sur moi. Ouais, moi je sais qui a fait ça. Il y a un filon de mithril. Bah, c'est celui mec. Que, genre il a pas entendu. Genre j'ai ramassé un moule que je t'ai envoyé à toi. T'en as combien sur toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à un sixième responsable. Pour le reste, démerdez-vous. Non, tu es un sixième responsable, mais c'est toi qui me l'a. Tu veux pas que j'y aille plutôt parce que toi, sachant que tu sautes comme un asthmatique. Bah non, j'ai 19 de force.
Ah bah non, en fait tu peux y aller à pied. Yes. Salut. Où est-ce qu'ils sont partis? Tu vas pouvoir aller taper dessus. Il y a de la survie par ici, mais je l'ai raté. Tiens, regarde, tu vois. T'as tapé du mitre. Attends, je comprends pas d'ailleurs. Pourquoi on récupère des adamantium mais c'est du mitral qui est tombé? Parce que c'est voilà, je sais pas. Mais il peut être fondu dans la forge. Mais tu vois, je te libère d'une partie de ton poids, je prends le mitral, je me sacrifie pour ça. Tiens, dis merci. Hein. Ingrat. D'ailleurs, attends. Ouais. Comment ça, prête à éclater? Y'a un truc qui est prêt à éclater. Y'a plus rien par là? Mais c'est pas. Y'a pas un truc à miner là sur qui c'est pas. Faut creuser. Bah si, y'a un truc de survie, mais si tout le monde l'a raté. Regarde, tu vois, hop, c'est là. Ah bah, donc toi tu l'avais eu là. J'ai loupé aussi, mais. Non, je l'ai loupé, mais c'est pas grave, tu mines au pif. Bien, ouais. Y'a des trucs intéressants. J'ai des cristaux pour Arda, c'est de la machine. L'alchimie, j'ai trouvé un truc de fluorite. Très bon pour les dents. Un pare-chaud pour maudire des gens. Cristal viridien. Et ouais, des ouais. Je viens de voir que juste en dessous, t'as des espèces d'élémentaires de feu là qui font l'aller-retour. Allez. Merci pour le pare-chaud, ça c'est parfait. Je sais pas ce que c'est, mais ça donne pas envie d'y aller. Avant de continuer par là, vous pouvez pas aller à la forge. Je vois un gros truc. De toute façon, on sait pas y accéder. Comment? Lave. Ah, aider le moine maudit. Ah, bah c'est lui en fait, le moine maudit. Il est où? Bah, juste en bas. Non, c'est le truc que tu voulais pas faire, on va d'abord à la forge. L'élémentaire là, qu'on le a vu. Moine maudit. Bah oui, c'est dans cette zone là. Ah ouais. Bah écoute, pourquoi pas, après on fera ça après. Bah on va d'abord aller à la forge, mais je sais pas, je sens bien le fight de boss ou une connerie du genre. Ouais, c'est con hein, parce que moi j'ai cramé mes deux spell slot level 3, donc j'avais vu du coup. Et il sera toujours temps de faire un repos. Et encore un gisement de mitril plus loin par là-bas. Non mais c'est des repos longs hein, pour les spell slot, c'est pas des repos longs. Bah c'est ce que je disais, il est encore temps de faire un repos long. Alors qu'est-ce qu'on fait alors, on revient sur nos pas histoire de... histoire de défoncer les nains qui étaient juste avant. On peut faire ça. À l'occasion, si on peut faire un repos court un jour, j'ai plus de vie, je suis chaud. Bah, je peux faire celui de. Allez, celui du. Du Ménestrel, si tu veux. Baird. Du Baird. C'était par où que t'es arrivé? T'es arrivé par là, toi? Bah oui, c'est ça, par la petite plateforme qui est là. Ah bah, en fait, à côté de toi pour le repos. Non, je pense, c'est bon. On est parti péter, faire un truc de... jusque là. Vous voulez retourner sur les nains? Enfin, je sais pas, autant qu'on puisse. Bah, si t'arrives sur. On va faire des allers-retours. Je sais pas, t'as pas l'impression qu'en regardant ça. Il y avait des gens à tuer et tout. T'as pas l'impression qu'en regardant ça, ça fait genre méga boss? Si, c'est ça, ça fait méga la suite là où on est là. Je t'avoue, je suis pas chaud. Ça fait le gros boss. Moi perso, je me dis que je préfère aller m'entraîner sur des nains. Non? Oui. Enfin, je crois qu'on peut passer pour revenir par là. Bah, on a qu'à se retirer avec une branche. Hein. Non. Il y avait moyen de sauter là, non? Non? Bah, je pensais, mais. Ah, Mulmire a peut-être moyen, mais après. C'était ce que j'étais en train de penser. Genre comme ça? Oh, comment t'as fait? le moine l'a tout claqué au sol qui est même pas capable de sauter. Allez, ciao! Moi, je peux pas. Allez, ciao! Attends, j'ai peut-être un parchemin de triple bon, un truc comme ça. Attends, j'ai un truc activé là. Ah ouais, mais c'est presque rien que du naturel. Non. Vandalisé. Attends, mais dans mes 10 milliards de potions, j'en ai bien une qui sert à ça. J'ai 34 potions. Sinon, attends, je te passe. Je t'envoie une potion de bon glorieux. Mais non, arrêtez avec vos potions, je vous passe le truc qui vous permettra de sauter. Attends. Tiens, équipe ce que je t'ai mis dans ton inventaire, tu l'équipes, tu sautes, tu me le rends. C'est quoi? Le gourdin de force de géant des collines. Ah oui, voilà. Et tu sautes. Quelqu'un la bonne arnaque. Bah oui. La bonne arnaque, tiens, je te l'envoie. Ah non, il pas des flèches. Il se bat avec lui, hein. Enfin, c'est ce qu'il a d'équipe. Bah ouais. C'est bon, je l'ai rendu. Mais je peux l'avoir, moi, parce que je peux pas sauter aussi loin.
Nathan, où est-ce qu'il est maintenant? Il est là. Tiens. Ah, mais c'est en fait pour la quête, il faut sauver ces quatre bonhommes en fait. Bah, en plus, voilà. Les quatre bonhommes qui sont là, faut les sauver pour la quête. Et il y a un autre gars à tuer manifestement derrière le. Derrière l'éboulement, il y a un mob à buter. Je peux récupérer mon gourdin. Oui, mais je veux récupérer mon bâton, voilà, c'est ça. Hop, et je renvoie ça à Katox. Par contre, mon petit Pell, il peut pas suivre là. Moi, j'aimerais bien les pas. Tu le réinvoques ? Bah, ça me fait. Si, je peux l'invoquer, effectivement. Je sais pas, j'en sais rien. Je peux parler au marchand. Ouais, vas-y, on va l'utiliser tant qu'il a des thunes pour vendre nos merdes, puis après on le tue. Moi, ce que je me dis, si jamais, vu qu'on va le bousiller, peut-être. Alors, si on va le bousiller, il faut que je me mette en position haute, moi. Non, mais alors, on essaie juste de voir s'il y a des trucs intéressants à vendre. Ah, oui, voir ça, c'est vrai. Après, en soi, si on le bousille, on l'aura gratos. Oh, il y a un nain qui est planqué là-dessus. Je suis pas sûr qu'on ait tout son loot quand on bousille les marchands. Non, c'est sûr que non. J'ai déjà testé dans ma partie perso. C'est sûr que non. Donc autant profiter un maximum et puis tu te butes. Non, mais j'ai déjà une bonne arme là. Il y a plusieurs nains partout. Hein. Il a des choses intéressantes, ces marchands. Ah, mais la fameuse métisse qu'on pouvait éclater juste avant, là, elle revient jusque là. Tiens, je te laisse regarder. Bon, après, j'ai pas forcément besoin, c'était plus que t'étais avec. Bah, il a un arc et. Trouver Katox. L'arme à deux mains est pas dégueu, j'avais déjà testé. Le truc qui fait. Il fait une ligne, ça dépote bien. Je fais une petite sauvegarde. Ok. Ouais, pourquoi pas, c'est pas si mal. Bon, après, je pense que si on le bute, on trouvera. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de mobs. Hein. Ouais. Il y a pas un moyen pour, genre, mettre la moitié ailleurs ou une connerie du genre. Je sais pas. Après, effectivement, on peut commencer par. J'ai parlé au gars qui arrête pas de gueuler. Enfin, comment ça se passe là? Moi, je suis cool. They run, you're dead. Parce que pareil, moi je suis plein aussi, j'ai toutes mes ressources, etc. Toi t'es comment, Midvien? Moi mais c'est juste les deux spell slots level 3 que j'ai cramé, donc mais après je pense que sur des fights comme ça devrait. Enfin ils sont beaucoup mais je vois pas de. Oui ils ont 40 PV ou quoi, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Ouais, je pense que ça peut le faire. Hein. Move, Hoon. Attends, j'ai quelqu'un qui me parle. Je constate que vous avez perdu vos chaussures. J'ai moi-même volé ces bottes à un gnome en fuite. Vous les reconnaissez? Le moyen de commencer, de starter le combat. Quoi. Je suis chaud que tu dises ça. Ça se trouve, ça va faire un truc. Hein. Ça se trouve, c'est les bottes d'un de ses potes, tu sais. Ouais, ça serait très drôle. Ça serait très drôle que ce soit les bottes d'un de ses potes. On tente les bottes. On tente les bottes. Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Crafty little shits these ones. Oh, monstrueux. Came to keep them in line. Elle va mourir. Je crois qu'il est léché les pieds, mais en fait pas du tout. What? Attends, tu lui as filé les bottes? Bah, je sais pas moi. Il a fini des thunes, Mais attends. Du coup, c'est lui qui se retrouve infini nu. Mais c'est. Ça rien, moi. C'est vous qui avez voté pour les bottes. C'était quoi ces bottes? Ah non, moi je pensais que c'était juste une. C'était juste pour lui foutre les nerfs. Bah, oui, moi aussi. Trapped True Soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads.
va mourir. Faut pas dire qu'on lui coupe la tête. Ah, la lire dure sa vie, non. C'est la poudre explosive. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. Places older than bone dust. Previous tenants left a trap. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the Absolute's blessing. No doubting that. Okay. Ça pourrait être intéressant, je pense, de faire un let's play en mode vraiment tu joues le l'acolyte ouais, de l'absolu à fond. Ouais, je vais le faire moi sur la run Dark Corruption. Bon, je me casse alors. You're gonna just leave him in there to choke. Shit. On the double, you pricks, before I carve my name into your arses. Ah ouais, mais là. Attends, par contre, toi, j'ai envie de t'agarrer un truc. Effectivement, bon bah, Arda, t'as plus de bottes. Oh, j'ai une armure. Attends, j'ai une armure. Une armure, classe d'armure. Tant que dévance. Je n'ai plus de bottes. Tant que dévance patiente est actif. Mais parce que vous les avez redonnés. Non mais c'était quoi les bottes que t'avais? Bah c'était les bottes qui lui avaient été volées. Mais oui mais c'était quoi le sort? C'était les bottes de hâte, c'était les bottes de hâte. Oui mais on peut les récupérer sur les buttes donc c'est bon. Ah oui mais c'est juste que elle va être super chiante. Alors j'ai un choix de loot. Soit j'ai une bague qui donne plus 1 à la classe d'armure après avoir poussé quelqu'un. Soit j'ai une armure peu courant, juste des vêtements, donc pas de classe d'armure. 10 de classe d'armure. Contre-attaque de Kushigo. Tant que défense patiente est actif, si une créature attaque le porteur et le rate, ce dernier peut utiliser sa réaction pour riposter à l'aide d'une attaque à main nue. Je pense qu'on a trouvé le loot. Donc je prends la bague, c'est ça? Exactement. Totalement. Oh let's go, une armure de moine, une vraie. Mec, est-ce que tu penses que tu pourras pousser le nain qui est juste devant toi? Je peux te la prendre. Alors, il y a des chances que oui. Merci. C'est quoi le style? Oui, quoi, oh, style, elle est stylée. J'ai 90%. Ah bah ça fait une armure de moi. De façon à ce qu'il tombe du bon côté, évidemment. C'est-à-dire, genre, par là ou... Ouais. Ouais. Bah, tu vas tenter la fireball. Je vais bouger pelle un peu plus loin. Non, je peux pas tenter la fireball, il y a trop de risques que des gnomes. Personnes de petite taille souffrent. C'est pas l'objectif. Des gnomes. Hop là, j'ai placé pelle au bon endroit, donc on peut lancer le fight si vous voulez. C'est au courant que si on fait pas les 4 nains qu'on a fait avant, on va se prendre une shit tonne de gnomes. Allons faire les 4 nains d'avant et on revient après les tuer. Parce que clairement là je les vois, les deux, l'une termine sa patrouille en haut et l'autre termine sa patrouille juste là au début de la pièce. Oui non mais ouais, allons nous les faire. Tu sais les deux maçons là, machin. Ouais. Bah là, de toute façon Mulmire et Arda ils y sont déjà donc ils sont déjà sur un des mobs. Les maçons ils vont être super longs, ils viendront pas dans le fight hein. Ouais, maçons non mais si ça arrive, on aura l'air con. On est pas obligé de faire les maçons mais Myrtis d'office on doit se la faire et Selek l'arbalde on doit se la refaire aussi. Myrtis elle va passer juste devant là. Ah ouais elle on peut la pousser. Attends, moi je vais aller me positionner en hauteur là. Et Dana il faut la buter aussi. Alors attends, Myrtis elle est là hein, bientôt. Elle est... On lâche quand elle est là. Ah vas-y vas-y, attaque là. T'es en combat là? Ouais. En plus, elle est toute seule. T'as avec. Oh! Pop. On a fait des pop! Voilà, elle a rien de bien intéressant. Il faudrait idéalement buter Dana et peut-être les deux qui sont juste. T'en as deux qui sont isolés un peu de genre là. Ah, t'es comme ça, toi! Arda il a pas le temps quoi, genre il l'a attaqué en plein en... Ah ok. Ah bah d'accord, vous êtes comme ça, donc nous on allait... Bon bah, pourquoi pas, oh là, le gars il a passé un sale quart d'heure. Bon, ça c'est fait. Ouais, elle a rien d'intéressant sur elle. Il y en a encore deux juste devant la porte, y'a peut-être moyen de se les faire peut-être. Celui-là là? Ouais. Alors attends, est-ce que je peux me positionner à un endroit pratique pour aller leur mettre des sortilèges dans la gueule? Je pense que...
oui. Bah, malheureusement, on peut pas fermer la porte. Si tu te mets là, là où on était nous, là, là, non. Ah ouais. Attends. Où est-ce que tu pourrais te mettre? Bah là. Sinon, sur la plateforme métallique, ouais. Bah je sais pas si. Ouais, en fait, la plateforme métallique, Arda, ça devrait être pas mal pour toi parce que du coup, tu pourras aller jusque dans la salle et bombarder tout le monde d'en haut. Ouais, j'avoue. Attends, tu l'as l'avantage là de la hauteur? Attends, je regarde. Non. Mais la plateforme métallique, c'est bien, mais pour le. Ah, j'ai trouvé un coffre lourd. Où ça? Ouais. Ping dessus, j'arrive. J'aime bien le. Ah, j'ai trouvé un coffre. Où ça? Où ça? Ah, c'est ça, le droguet, quoi. J'ai foutu les coffres. Attends, mais tu vas où? Bah, il faut que je fasse tout le tour. Hein. Ah non, mais il est où ton coffre? J'ai cliqué. Je crois que j'y vais aussi. C'est parti. Tu marches lentement, je trouve. Ah mais oui, parce qu'on n'a jamais fini. Tu sais, c'était, il y avait des, c'est l'endroit où il y avait du feu, il y avait des pièges de feu. On n'a jamais fini le chemin. Putain, mais c'est méga loin. Comment est-ce qu'on fait pour retourner là-haut? Bah, moi j'ai cliqué et mon bonhomme il vache. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est parti d'un côté et pas de l'autre. Bah, je suis parti là. Je suis parti faire ça. Ça va prendre 5 secondes. Après, en vrai, faudrait que tu vois si tu peux pas demander à tes potes les vaches là de venir nous aider dans le fight. On va devoir aller. Venez les copines. Il y a peu de risques. Pour l'humour. Il y a peu de risques, vous êtes sûr. Enfin, j'ai réussi une fois à jouer avec la caméra pour monter tout. Putain, comment je fais pour monter? Ah oui, il faut traverser le pont là où il y avait les pièges de feu. C'est ça. Ah bah j'ai trouvé une clé déjà. Une clé de fer. La clé à tout faire. À tout faire, je sais pas. Borgne. Quoi? Je sais pas, il y a eu un soufflet là de feu là, quoi, de Nojo quoi le truc. Kaboomski. On peut me renvoyer la plateforme? Ah oh, mais non. Mais les coffres sont par l'autre côté, il y a deux coffres là à les choper et tout. T'as un coffre d'un côté, t'as un coffre de l'autre. Je sais pas trop comment on va passer par contre. Hein? Ah, parce que moi à la base, je partais par là-bas juste pour aller ensuite me positionner sur le fight hein. Oui, bah il y en avait des coffres. Il n'y en avait qu'un, il n'y avait pas besoin d'y aller à 10. Il y en avait deux. Il y en a deux. Ah, je peux pas les péter à coup de masse, les pièges. Pourquoi on a gagné 30 Quelqu'un a dû avoir une inspiration. Ah bah écoutez, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui devrait faire plaisir, je pense à Arda. Mais comment t'as fait pour ouvrir la porte? J'ai un spell qui s'appelle Misty Step. J'ai Misty Step derrière la porte. Ah, comme souvent, ça fonctionne. La bonne arnaque. Et ça a débloqué tous les pièges. Bah, il y avait un levier, j'ai cliqué dessus. Ah. Arda, je viens de t'envoyer un truc, ça devrait te faire plaisir, je pense. Robe électrisée. Incantation amplifiée, vous laissez un bonus de plus 1 au DD du jet de sauvegarde contre vos sorts. Armure d'étincelle, le portier aussi d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure et au jet de sauvegarde du moment qu'il résiste. Il reste des charges de foudre. Ah bah oui, bien sûr que je vais aimer ça. Je sais pas si tu peux avoir des charges de foudre, mais. Il y a vraiment moyen de se faire un stuff OP avec les charges de foudre. Quand tu regardes les stuffs qui s'entrecroisent. Pas convaincu hein, que ce soit si ouf que ça, les charges de foudre. Oh, y'a moyen, oh, y'a moyen. Attends. Yes. Tada. Il y a moyen de. T'as fait quoi? De sauter de la petite plateforme jusqu'au truc en métal. Ah ouais. Ah mais non, mais si, effectivement. Toi, tu l'as encore le bâton qui fait du feu, enfin qui fait encore des charges d'électricité, Arda. Ouais. Ah oui, donc effectivement, ça peut. Je pourrais. Mais celui que j'ai là, il fait bénédiction. Bon après, j'utilise pas du tout la bénédiction.
Bah c'est ça, en vrai je me dis avec le... Parce que l'armure elle est pas mal, hein, elle te fait... Surtout que la bénédiction tu l'as qu'une fois par short rest ou long rest, non? Non mais c'est surtout que ça te donne de la classe d'armure, et ça c'est vraiment pas mal, tu vois. Ouais. Et c'est par long rest, je crois. Ouais, donc en soi, c'est... il te sert une fois le bâton et après il n'y a plus d'utilité véritablement du moment que t'as cassé Bless. C'est ça. Par contre, on va devoir stopper l'épisode là. Bah, ça sera comme ça, il y aura cliffhanger avant. Ouais, tu... Un gros combat. Ouais, peut-être qu'il faudrait se mettre en place parce que moi je suis encore en train de buller. Ah, moi je suis en place, hein, à la base. Ah oui, c'est vrai, on avait d'abord les deux petits. Attendez. Les deux petits en dessous. Je suis pas sûr qu'on arrivera à la tuer, mais. Moi c'est obstrué. Tu peux pas tirer toi, là où t'es? Non. Oh. Oh là là, vous êtes passé à côté de ça. Mon dieu, quelle indignité. De quoi? Ah, je regarde si vous lootez toutes les caisses et tout, parce que... Il y a toujours des armes... Ah merde, je suis en train de... C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je t'avoue, j'ai trop de place non plus. Hein. Ah mais moi j'en vois... Il y en a un que je peux viser, mais alors l'autre... Non, parce qu'il y avait un... Des trucs de crochetage dans les tonneaux qui étaient derrière que vous avez pas vu, c'est pour ça. Mais ça coûte cher hein, ces trucs là. Effectivement. Ah, je peux le viser, ouais. Le garde-roche cure. Est-ce que si je le mets. Enfin, si tu veux pas mettre du Featherfall là. Est-ce que je peux te le mettre à toi? Un sort de Featherfall sur toi? Non, mais c'est rituel. J'ai un rituel. C'est rituel hein, Featherfall, ça te coûte pas d'emplacement de magie. Yes, let's go! Yeah, je saute, oui! Voilà. On va quand même stopper l'épisode là. Ouais. Ok. On fait des bisous à tout le monde. À plus tout le monde. À plus. Des bisous.